Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la légende de Korra. Je tiens à vous remercier parce que le premier épisode a été plutôt bien accueilli, je suis assez content par rapport à ce que je fais d'habitude, il n'y a pas eu moins, il n'y a pas eu plus. Et ça, regardez, d'accord, parce qu'il faut savoir que je me suis foiré et du coup j'ai relancé que je voulais relancer le jeu et du coup ça m'a sauvé. Bon, alors du coup on se retrouve dans l'épisode, le chapitre 3, où en fait on arrive donc sur notre île où on s'entraîne pour apprendre la maîtrise de l'air puisqu'on est un avatar, comme vous le savez on est l'avatar, hein. Mais on n'a pas les quatre éléments de maîtriser, on maîtrise le feu, la terre et l'eau, puisqu'on vient de la tribu de l'eau, mais on ne maîtrise pas l'air, puisque l'air est l'élément le plus difficile pour Korra à contrôler, puisque c'est l'élément qui est fort contre l'air. Alors, si vous voulez une explication, l'avatar a plus de mal à prendre son élément dont il est faible, par exemple l'eau est faible contre le vent, vent est faible contre le feu est faible contre la terre, et la terre contre l'eau. Voilà. Et il faut savoir que du coup, les avatars ont plus de mal à contrôler les éléments, même s'ils peuvent le faire, mais ils ont plus de mal. Donc là, je viens de récupérer une jarre pour récupérer mon énergie d'eau. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va chercher nos 4 énergies, enfin les 4 jarres avec notre énergie de l'eau pour pouvoir pour pouvoir récupérer notre magie de l'eau. Alors je tiens à m'excuser si l'ordi lag un petit peu, enfin si le jeu n'est pas très fluide, le jeu n'a pas beaucoup aimé que le jeu n'a pas beaucoup aimé que je tourne 2 heures de FF, du coup c'est assez lent, hein. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, je pense que je vais juste faire mon premier épisode et les autres je les ferai demain, donc samedi. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, dites-vous que je suis en train de tourner les 4 prochains épisodes qui sortent, voilà, c'est clair, je vais tourner les épisodes à la suite, comme pour FF. D'ailleurs, dans FF, on a beaucoup avancé jusqu'où on arrive. On avance énormément, c'est très bien. Et il y aura pareil avec Assassin's Creed. Voilà. Hop. Alors, il faut savoir que ça, je l'ai déjà fait de mon côté. Je l'ai déjà fait. Mais non, t'excuses pas. En fait, on est arrivé donc sur notre île où on apprend donc l'énergie de la maîtrise de l'air. Mais nous avons un souci puisque... Ok, l'ordi lag un peu. Là, il chauffe en fait. Donc, on a un souci, c'est que notre maître et toute sa famille, ils ont tous disparu. Donc, c'est légèrement embêtant, hein. On va pas se le mentir. Hop. Donc je tiens à m'excuser, hein, les prochains épisodes seront tournés pas à la suite justement. Justement j'attendrai que l'ordi soit moins chaud, enfin refroidi, donc demain, qu'en gros il n'y ait plus rien à. Pour le chauffer en fait, qu'il soit froid quoi. J'aurais pu le faire en éteignant l'ordi et tout, mais vu que je mets l'épisode de FF, je voudrais éviter d'éteindre l'ordi et tout. C'est pas que ça me dérange, mais on va dire que je préfère, c'est mieux. Ah. Hop. Et pour Assassin's Creed, ce sera pareil, hein. Je vous rassure, je pense que. Je pense pas que l'ordi chauffera au bout de 20 minutes, mais quoique, c'est vrai que quand il démarre mal,
Bon, de toute façon, je verrai. Hop, et donc la dernière jarre, on l'a vu, elle est de l'autre côté. Elle est là-bas. Hop. Oh non. Ah, je me souviens d'ici. Je me souviens d'ici. Alors. Ici, c'est horrible. Alors, espérons qu'on n'ait pas les ennemis. C'est bon. Ici, c'est horrible. Alors, déjà, toi, tu vas vivre. Tu reviens là. Bah, tu crois oh! Tu te crois où, mec? Tiens, tu prends ça. Et tu meurs. Voilà. Bon, maintenant on va chercher notre jarre, s'il vous plaît. Hop. D'accord, c'est de l'autre côté. Non, non, c'est bien là. Voilà, en fait, c'est horrible parce que ces mecs nous envoient les... Alors là encore, ça, c'est pas trop loin. Mais vous allez voir. Voilà. On a retrouvé notre maîtrise de l'eau. Alors, voilà. On peut balancer de l'eau de très loin, vous voyez. Mais ça ne nous touche pas. Ok, ça ne les touche pas. Donc, hop. Voilà, en fait, il faut les esquiver parce que... Oula, j'ai failli tomber. Il faut les esquiver parce que sinon, ces messieurs nous balancent leur truc dans la gueule et ça fait légèrement mal, c'est vrai. Un petit... je sais pas comment on appelle les trucs qu'ils ont, mais ça fait légèrement mal. Ok, donc on a notre magie de l'eau qui vient de passer une ou deux. Nanana, oui, on gagne de l'expérience. Nanana, pour acheter des nouveaux skills. Ok. Pour charger son ki, donc son énergie, hein, ils appellent ça le ki, mais nous on a. Enfin, moi j'appelle ça maîtrise. Enfin, même si c'est pas vraiment la maîtrise là, puisqu'en fait elle passe en. Oh putain, pas lui. Elle passe juste en mode surpuissante, quoi. Elle passe en mode cheaté. Lui c'est un maître de. Donc. Un maître de la terre, pardon, pas un maître de l'air. Je suis idiot. C'est bon. Hop, voilà. Ça, c'est cool. On vient de passer en donc, super énergie. Vous voyez, on est tout plus haut. Donc, en gros, à côté du coup, il y a une barre qui se vide. Et en fait, quand plus elle se vide, et moins il vous reste de temps pour la super énergie. Alors, la super énergie, je vous montre. Voilà, il y a un cercle. Et boum! Et en fait, plus vous êtes près du cercle, en fait, plus le cercle est petit sur vous, plus vous avez de chances que la surpuissance, qu'on va l'appeler, reste au maximum. Enfin, aille au maximum. Donc, c'est important de faire une truc au maximum. Alors, là, on va charger. Oui, t'en fais pas. Hop, et voilà. Et alors là, on dégomme tout parce que... Il faut savoir qu'on double nos attaques. En fait, au lieu de faire un combo, on en fait deux grâce à ça. Alors là, on a obtenu un gant. Alors, il faut savoir que dans l'anime, le gant est très spécial puisque c'est un gant qui assomme... qui assomme les maîtres, enfin tout le monde même, puisque on voit de l'électricité. Il faut savoir que l'électricité, normalement, il n'y a que enfin, c'est l'électricité, mais... que les maîtres de feu qui peuvent l'utiliser, même si moi je trouve que c'est plutôt des flammes bleues. Alors là, vous souvenez, lors du premier chapitre, tu la fermes, Cora? Merci. Lors du premier chapitre, on avait déjà cette porte, sauf qu'on pouvait pas l'ouvrir, et là on peut, puisque on peut passer. Voilà, en mode super énergie, c'est important d'utiliser la super énergie quand on casse des trucs. Qui ont une protection, parce que sinon c'est pas possible de les casser autrement. Alors là, nous avons des ennemis qui arrivent. Alors donc ça parle de Tenzin, son maître, mais vu que je suis très très bon en anglais, je peux pas vous en dire plus. Yeah.
Alors, oula oula oula, faire attention parce qu'ils envoient des trucs électriques et ça fait légèrement mal, hein. On va pas se le mentir. Alors ça, ce qui est bien, c'est qu'avec le final smash, enfin j'appelle ça un final smash, hein. Le point qu'on fait en fait avec le B, on peut aussi taper tout en fait. Là, en fait, si vous voulez, le B qu'on avait quand on n'avait pas notre magie, enfin notre maîtrise de l'eau, était puissante, mais pour taper des mecs, enfin plusieurs mecs, c'était vachement dur. Et là, en fait, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, on envoie donc une boule, si on peut dire, et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors. Donc là, normalement, il y a, voilà, un maître de feu. Oh, ah oui, par contre, oui, c'est vrai qu'il est très très mal. Très très mal, et il est très très doué. Il est très très puissant. Contrairement au mec de... contrairement au mec de... de l'eau, de la terre, il est beaucoup plus puissant. Et faire attention parce que franchement, attention, oh là là, ils vont nous faire mal, Oula, mes amis, vas-y, tue-le. Enfin non, on va pas le tuer, mais on va le battre quoi. Voilà, voilà, mets lui ça branlé. Oh là, pourvu qu'il y a de la vie. Oh putain, y a pas de vie. Ah, donnez-moi de la vie, les gens. Putain. On va crever. Alors, j'aime beaucoup ce petit effet à la... Alors, pour ceux qui connaissent, c'est à la... À la Call of Duty, mais c'est complètement différent. Ok, c'est quoi? Ah non, c'est un... Ok, c'est eux. Je croyais que c'était un... non, on va d'abord s'occuper de toi. Ah, voilà, passe en super énergie. Ah non, j'aurais dû mettre B. Bon, tant pis. Non, tu vas t'occuper de toi, lui. Ouais, on a obtenu de la magie. Hop. On repasse en ultime. On repasse en ultime, oui. Attention, monsieur envoyait son... Ah, ah, mais... Ah, putain, d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi je lui faisais pas de mal, mais en fait, si, c'est moi, si je ne le tape pas. Allez. Oh là là, oh là là là. Alors, on va faire une grosse attaque là. Allez. Allez. L'ordi a du mal, hein, très clairement. Bon, je le reconnais, c'est ma faute. Hein. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû essayer de faire 2 heures. Plus, mais bon, que voulez-vous? Je me suis mal préparé, Putain, j'ai foiré parce que l'ordi lag et du coup, ok, c'est bon. Alors, il faut savoir aussi que les mecs qui nous lancent les trucs que les mecs nous lancent, je sais pas comment on peut appeler ça, mais les nunchucks, enfin ouais, on va appeler ça des lasso quoi. Ce qui nous lance, en fait, on peut les détruire en les attaquant avec notre magie de l'eau. Hop, on peut les détruire. J'adore faire ça. Ah mais arrête pas. Allez, reste. Non, bah c'est comme ça qu'on reste. Non. Non, mais je sais pas. Avant, enfin, c'est que... Oh. Le rocher peut se détruire.
Ah ouais. Cool. Je savais même pas qu'on pouvait avoir un. Enfin, qu'il y avait des trucs dans le rocher. Du coup, il y a peut-être des trucs là-dedans aussi. Non? Non. Ah si. Ah si, si. Ok, bon, par contre, il n'y avait rien. Alors, nous avons le droit à un maître de l'eau, à un maître du feu et à un maître de la terre. Puisqu'il faut savoir que les maîtres de l'air sont au nombre de... Alors, si je dis pas de conneries... Merde. Si je dis pas de conneries, les maîtres de l'air sont au nombre de... sont au nombre de 5, je crois. Tenzin, et c'est 3 ou 4 enfants. C'est 4 enfants. Le petit dernier qui est pendant le manga, l'anime, est aussi un maître de l'air. Donc pendant... Donc ouais, ils sont 5. Ils sont 5. Qui est assez marrant, c'est que Tenzin a un frère et une sœur. Et on a un frère qui n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas de maîtrise. Et on a une sœur qui est en fait maître de l'eau. Parce que oui, pour ceux qui le savent, Aang, donc qui est l'avatar, waouh, comment ils font trop mal, est enfin a des enfants avec Katara. Katarina, non c'est Katarina, pardon, Katarina c'est LOL. Excusez-moi, putain, on va mourir. Faut faire attention là parce qu'on un seul coup il tue quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est foutu, c'est foutu. C'est foutu là, c'est forcé. Faut tout le temps bouger parce que sinon attention. Oh là là, oh là là. Il y a l'autre qui est là, c'est bon, c'est bon. Il se met en protection. J'aimerais bien de la santé, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là. Alors lui, il va falloir faire gaffe parce que là... Oh putain, on est mort. On est mort, on est mort, on est mort. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est reparti. Oh putain. C'est bon, c'est bon. Oh là là. Oh oui, de la vie. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh mon dieu. Allez, c'est bon. Hop. Oh là là. Ok, c'est bon, il nous en reste plus qu'un, c'est bon, on va le passer, on va le passer. On est déjà à 18 minutes de vidéo en fait, je me suis pas rendu compte. Bon, au prochain checkpoint, de toute façon, hop, voilà, ça va. Normalement, une fois qu'on aura battu ces deux gars, on pourra s'arrêter. Et finir le... allez, vas-y, termine-le. Voilà. Et on a notre magie, enfin notre maîtrise de l'eau qui montre au niveau 3. Ça c'est bien. Et on a retrouvé toute notre vie. Du coup. Hop, faut savoir qu'on passe de level. Merde, j'ai perdu. Quand on passe de level, on récupère toute notre vie. Voilà. Alors normalement, c'est bon. Normalement, on en a fini. Ouais, je pense qu'on en a fini. Mais je crois qu'en fait, on est arrivé au bout du chapitre. Si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, du coup.